La formation au numérique, c'est comment on prépare les jeunes d'aujourd'hui aux métiers de demain. Et chacun des métiers de demain intégrera le numérique. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans notre cursus éducatif pour que tous les jeunes, quel que soit le métier qu'ils fassent, soient à l'aise avec l'univers numérique. Alors là-dessus, j'ai une proposition très simple qui me tient à cœur, c'est qu'on transforme le cours de techno, où on apprend encore à faire une pile au sodium, à un cours de culture numérique. Pourquoi je propose rien de nouveau, c'est qu'on n'a pas les moyens d'augmenter le nombre de cours au collège, mais en revanche, on a des professeurs qui sont formés à l'informatique. Et quand je propose le cours de culture, transformer le cours de techno en cours de culture numérique au collège, avec bien sûr l'apprentissage du code, deuxièmement l'apprentissage de du savoir-être sur Internet, du savoir utiliser les réseaux sociaux et Twitter, de savoir qualifier, rechercher et qualifier une information sur Internet et de savoir gérer son identité numérique. Parce qu'à la fin de la troisième, c'est la première orientation. Et quel que soit le métier que vous allez faire, que vous soyez artisan, commerçant, ou que vous devenez ingénieur demain, ou encore, coiffeuse, députée, vous allez avoir votre identité Internet à gérer, votre Facebook à gérer, votre site Internet, votre relation client à gérer, comme ce n'était pas géré avant, c'est-à-dire, et aujourd'hui, les formations, quelles qu'elles soient, n'intègrent pas suffisamment cette nouvelle façon de faire nos métiers. Donc il y a une transformation à faire aussi des formations supérieures aux métiers à la façon de faire les métiers traditionnels, mais demain. Dès aujourd'hui, d'ailleurs.